Bonjour et bienvenue sur la Yata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme. Vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve sur Onyo Asso. Je me suis perdu sur l'eShop et j'ai trouvé ce jeu là à 7,99€. Le jeu est disponible depuis le 26 janvier 2023 et c'est parti, on va faire une petite partie. Donc c'est un jeu de plateforme, ça a l'air d'être sympathique, c'est kawaii, on va voir. Allemand, français, anglais, espagnol, le principal c'est qu'on a eu le français et le jeu fait environ 160 MO installé sur ma micro SD. Et bah c'est parti. Je pense que tu l'as compris là, on va jouer avec des oignons. Donc avec A je saute, avec le joystick de gauche je peux orienter mon personnage. Et là j'appuie sur Y, sachant que sur les autres commandes XA, LR, ZL, machin, tralala, il n'y a rien qui fonctionne. Peut-être que ça sera assigné après, on verra. Donc là j'ai pris avec Y, ouais c'est pas mal. Ça ressemble légèrement à Mario hein. On dira pas lequel mais ça ressemble à Mario. Si t'as la ref mets moi là dans les commentaires. Donc là ouais, il y en a un mec intelligent. Hop. J'aime bien le petit son dans le casque là. Techniquement c'est pas fifou, mais c'est déjà ça, hein, pour 8 balles. La durée de vie, je pense que, à mon avis, hein, en 2 heures, tu l'as éclaté. Je pense pas que t'en aies pour plus, mais ça, c'est que mon avis. Si tu l'as fait dans son intégralité, n'hésite pas à me dire. Le jeu est disponible sur Switch, il est aussi disponible sur Steam. J'ai pas le prix sur Steam, j'ai pas regardé, mais tu sais que tu peux le trouver sur Steam si t'aimes bien ces petits jeux-là. Les petits jeux rétro. En fait, c'est rétro avec une petite touche de moderne, le côté 3D. Et on peut voir, au niveau du background, que tout est animé, donc c'est intéressant. Voilà, prends ça toi. Hop. La maniabilité se fait assez facilement. Pour l'instant, je galère pas trop. Ça, c'est un petit jeu sympa. Donc du coup, si t'as Steam et t'as un Steam Deck, bah, tu peux faire comme moi sur Switch. Ça qui est bien. Ah, du coup, là, on a ça. Ok, hop. Bon, lui, on va l'esquiver. Pour l'instant, le seul point négatif, c'est que... Ouais, pour toucher les ennemis, c'est un peu chaud. C'est bon, t'es mieux de les esquiver que de les taper. Mais par contre, je manie super bien. Là, franchement, ça se passe tout seul. Petite animation, le sound design au niveau des trucs. Bon, ça va, regarde. Ouais, là, on l'entend pas trop bien. Là, il y a des gardes. Pas mal. Petite tape, là. J'aime bien le level design aussi. C'est-à-dire que t'es pas sur un simple jeu de plateforme linéaire. C'est un petit effet. C'est sympathique. Et pourquoi il me fait ça, lui? Ah oui. Et prends-toi ça dans les dingues. On va attendre un petit peu. Hop. Et voilà, comme ça je vais être tranquille. Ouais. On va essayer de perdre de la vie. Là, lui, on va le mettre dehors. On va le prendre comme ça. Et là, il faut appuyer plusieurs fois sur Y. Par contre, je sais pas ce que je peux faire. Bah, rien. À part être plus lourd, c'est tout ce que je peux faire. Ah, d'accord. Ah, ouais. Ah, ok. Après faut le faire, ah pareil, ok bah on a fini le premier niveau ensemble, c'était assez rapide. Putain je pourrais même faire un speedrun sur ce jeu là, ça serait tellement énorme. Allez on attaque le niveau 2, du coup on est motivé, on se le fait, voir si on est assez fort ou pas. Petite vidéo child pour ce vendredi. Comme tout le monde fait Hogwarts Legacy, je me dis allez vas-y petit joueur indépendant pour se faire plaisir. Pas dans mon intérêt de vous faire Hogwarts Legacy, il y a assez de Twitchers et de Youtubers qui vous le font. Ouais, je préfère m'éclater sur d'autres petits jeux. Je ferai Hogwarts Legacy peut-être un jour. De toute façon, il arrive sur Switch au mois de juillet. Donc, que je ferai une présentation. Hein. Putain, je viens de perdre une vie, moi. Hop. Voilà. Ah, puis il va sur la plateforme directement. Oula, on a un boss. Petit mini-boss. Est-ce que je peux le reprendre comme ça? C'est ça qui... Ah non! Ah! Oh d'accord, je suis mort. Mais non. Allez, on se tape le boss. On va voir un peu ce que ça donne.
Voilà. Ok, bah j'ai tué. Impeccable. Allez, on attaque. On continue. C'est assez rapide. J'ai mouru une fois quand même. C'est dommage, mais c'est comme ça. Hop. C'est vraiment intéressant ce petit jeu. Bon là, c'est chiant par contre. Que j'arrive pas à viser correctement. Ça, c'est vraiment chiant. Oh non. Oh non, j'ai mouru encore pour changer. Hop. Oh bah là, je suis vraiment mauvais. Ah. Allez, on attaque. Comment ça me trigger lui? Ok, là on a le premier. On a le deuxième, impec. Ah, y'a quoi dans le tonneau? On peut soulever les pneus aussi. Oh, ça aurait été intéressant de le prendre par là. C'est pour ça qu'il était là le tonneau. Ok, mais ça me dérange pas plus que ça. Voilà, le niveau est terminé, on est tranquille. Bon, ça se fait tout seul, hein. Ça glisse vraiment tout seul. Moi j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. Allez, go pour le level 3. Et puis après on va se laisser là. De toute façon, je pense que je vais perdre, vu que j'ai pas mal. Ah ouais, d'accord, maintenant il vole carrément. Eh, ça me fait penser à quelque chose ça. Et je suis sûr que je peux le faire. Tiens, prends ça, toi. Ah, c'est quoi, ça? Ah, c'est des pommes pourries, ou je sais pas quoi. Ah, là, il y a un truc. Ah, c'est sympa. Allez, tiens, prends ça. Toi, tu descends. Hop. J'ai récupéré un peu de vie. Là, il y a un truc. Oh, non. Ah ouais, il est chaud, lui. Ok, il saute. Il saute comme nous, en fait, tout simplement. C'est super sympathique, hein. Très bien animé, moi j'aime bien. Peut-être le finir. Si je suis motivé. Et quoi par là? Moi, je vois même pas ce qu'il y a. C'est long? Tiens, prends ça. Allez hop, dans tes dents. Ah ouais, là c'est dommage. J'aurais pu jouer les deux directement, ça m'aurait arrangé quoi. Ah, est-ce que je peux faire quelque chose là? Ouais, ça je peux le faire. Là je peux pas par contre, tu vois, je peux pas, j'appuie sur Y mais je peux rien faire. Oh, lui il est chaud lui. Et voilà, prends-toi ça. Ok. Ça c'est chiant. Ah, je sais pas viser. Ok, mais je peux pas aller là-haut. Pourquoi? Pas bien voulu. Ah oui, il y a un camion là, mais non. Oh, ça fait quoi ça? Ah ouais, ah ouais, c'est chaud là. Bah, faut qu'un... Oh purée, ah, je crois que je vais perdre. Du coup, ok, il est comme ça lui. Là, il nous envoie des petites babales. Ouf. Bon bah voilà, comme ça il m'emmerde plus. Ouah. T'as vu un peu ce que j'ai fait? Hop. Ouais, je sais pas jouer, je reviens par là, je vais par là, je vais par là, je reviens par là. Oh là, c'est chaud là. Ah ouais, c'était chaud. Mais c'est intéressant en tout cas. D'accord, donc là je pourrais le tuer comme ça, mais c'est pas intéressant. Là je le prends comme ça, je le prends comme ça. Là j'attends, j'attends qu'il revienne par là. Oui, c'est bon, impeccable. Hop et hop, voilà. Et bah du coup les droïdes, on va se laisser là. Donc je vous ai présenté Aonion Assault. Donc t'as vu un peu la petite intro au début. Donc c'est à dire qu'il va falloir qu'on vaincre un ennemi, hein, tout simplement. L'armée maléfique en lançant des oignons, tout simplement. Donc on va vaincre. Et je pense que le jeu, il y a une bonne petite durée de vie. Comme je t'ai dit, hein, 2 heures au moins. Si le jeu est bien fait. Après, je sais pas, je l'ai pas fini dans son intégralité. Je vous le présente parce que pour 7€, ça fait plaisir d'avoir des petits jeux. Par rapport à d'autres jeux qui sortent archi chers. Donc voilà, c'était mon test de Aonion Assault. Je vous dis à la prochaine sur Yada TV. Salut!